parisien, tu trouves que t'es jolie. Tu vas faire la tournée des bars avec tes copines d'un soir. À peine 10 minutes que vous êtes arrivé, t'es scotché sur ton téléphone, tu ne parles à personne. Et au bout du bar, y'a Jean-Louis qui veut être ton ami. Il te propose un verre à boire, mais toi tu réfléchis. Il est quand même un peu dedans. Tu lui demandes s'il va au gymnase, ouais, de temps en temps. Et juste derrière, y'a 3 surfeurs qui sont vachement bégueux. Ils parlent de trucs pour vendre des armes dans ces pays là-bas. Et que les mecs qui traversent la Méditerranée, et bah qu'en fait c'est pas de leur faute, sinon qu'on les aurait niqués. Et toi, tu fais l'intéressé, tu te rapproches de Chezon. Tu dis la Méditerranée, je connais, j'ai une tante à Narbonne. Tout le monde rigole, tu détends l'atmosphère. Mais au moment de se dire au revoir, bah tu rentres toute seule chez ta mère. Et là, t'allumes la télé, tu vois que la France est angoissée. Tu zappes, c'est Nabila, elle est quand même vachement sympa. C'est beau la légèreté, heureusement qu'on a la télé. Quand on veut s'échapper du quotidien, et ben voir des gens comme toi, et toi c'est ça qui te fait du bien. Et tu retouches tes selfies, tu mets les filtres beauté. Et d'un coup tu perds 20 kilos, te voilà rassuré. Commentaire, salut la belle donzelle. C'est vrai que t'es vachement canon dans ta vie virtuelle. Sur Tinder t'as mis que tu cherches un mec qui aime la vie, qui aime la sincérité et la marche à pied. Un homme qui sache lire je t'aime, qui soit grand et baraqué et qui n'ait pas de problème. Avec tes photos truquées, ta rancard tous les soirs, les mecs ils sont tous dégoûtés, ils veulent plus te revoir. Ils boivent un verre et te laissent l'addition. Tu rentres toute seule chez toi, putain, encore un gros con. Et là, t'allumes la télé, tu vois que la France est angoissée. Panique et insécurité, mon Dieu, que fait l'armée? Chez toi et tu t'enfermes à double tour. Manquerait plus qu'une bande de loupards s'introduise dans la cour. Si c'est le cas, direct t'appelles la police. Y'en a marre de voir ces clochards devant les bureaux de Cofidis. Quand même, ils t'ont prêté de l'argent quand t'en avais besoin. T'as payé 220%, mais la télé ne valait bien. Faut pas trop critiquer le capitalisme. C'est quand même le seul métier où on peut se faire un max de blé. Parce que des fois sur les apps, t'envoies, ils mettent marxiste. T'as regardé sur Google et ça veut dire syndicaliste. Tu dis les mecs, ils ont rien compris. C'est pas en parlant politique, bah qu'ils se mettront dans ton lit. Maintenant tu veux tout savoir avant le premier rencard. Pendant des jours faut tapoter, les mecs ils laissent tomber. Et t'as enlevé les photos de ton visage. Tu dis que c'est pour l'intimité, depuis tu tapes que des tarés. C'est vrai ce qu'ils disent à la télé. Tu sens que la France est angoissée. Y'a trop de dangers partout, tu